J'ai grandi en Normandie, j'ai fait ma scolarité à Elbeuf dans un lycée ZEP. Au lycée, j'étais plutôt intéressé par les sciences, j'ai fait un baccalauréat scientifique et c'est en dernière année de terminale que j'ai découvert la philosophie. J'ai été très impressionné par la rigueur de cette discipline. Donc c'est cette découverte de la philosophie qui m'a poussé à intégrer le double diplôme entre Sciences Po Paris et l'Université de Londres. Et donc après cette licence, j'ai travaillé pendant un an à Londres en tant que serveur. J'avais des horaires de nuit, ce qui me permettait dans la journée de continuer à travailler sur tout ce qui m'intéressait. Et donc j'ai produit un projet de recherche qui m'a permis d'être accepté pour un master recherche en un an à l'université de Cambridge. Aujourd'hui, je commence une thèse sur la théorie des significations à l'université d'Oxford, sous la supervision d'un des grands spécialistes de la philosophie du langage et de la logique. Malheureusement, je travaille dans un domaine où les financements sont assez limités et rares. Et d'une certaine manière, le Brexit a vraiment accentué ce phénomène puisque les frais universitaires pour les étudiants européens ont triplé après le Brexit. Grâce à la Fondation, je vais pouvoir me concentrer entièrement sur ma recherche dans les meilleures des conditions. Je veux donc adresser un grand merci à la Fondation qui me permet de débuter mon doctorat sereinement. Car sans la Fondation, j'aurais simplement pas pu saisir cette opportunité.